Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger des dégâts à de la faune sauvage chromée. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller par exemple à Lustrous Lagoon, donc juste ici. Ou alors vous allez à Chrome Crossworld, le sanctuaire du héros. Partout où il y a du chrome, moi je vous conseille d'y aller parce qu'il vous faudra des aspergeurs de chrome en suffisance. Donc là, regardez, quand je vais casser des objets en chrome, je vais obtenir des aspergeurs de chrome. Donc essayez d'en obtenir, je sais pas moi, peut-être 5, 6, voire peut-être même 10 pour être sûr. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer de la faune sauvage. Alors bien entendu, là où il y a des lieux totalement chromés, c'est possible que vous trouviez des animaux sauvages. Des animaux qui sont déjà en chrome. Mais si vous voyez, si vous croisez par exemple un sanglier qui n'est pas chromé, et ben là tout simplement, vous le transformez avec votre aspergeur de chrome pour le rendre en chrome. Et comme ça ensuite, ben, vous lui infligez des dégâts. Donc là, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais récolter un maximum de chrome. Et puis ensuite, je vais vous montrer où vous allez pouvoir trouver des animaux. Ok, donc maintenant que j'ai 7 aspergeurs de chrome, ça devrait être suffisant. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre plus ou moins par ici, à côté de Lustrous. C'est pour ça que je vous avais dit d'aller à Lustrous Lagoon, parce que autour du volcan, de ce côté-là, du côté gauche, il y a souvent des animaux sauvages. Donc pour vous aider à trouver des animaux sauvages, il faut savoir que c'est aléatoire, ils spawnent aléatoirement, mais je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux sauvages. Donc là où ils spawnent le plus souvent. Donc là, l'objectif, ben, c'est de trouver des animaux. Donc ben, c'est parti. Je vais chercher des sangliers, des loups, voire même des poules. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les poules, mais je pense qu'il y a moyen. Voire même des grenouilles. Hein. Je pense que ça peut fonctionner avec les grenouilles. Les corbeaux, ça, je sais pas. Ça devrait être compliqué, un corbeau. Enfin, faut tester. Et le requin, je pense que c'est un animal sauvage aussi. Donc, je ne suis pas sûr, mais il faut tester aussi. Si vous trouvez un requin, ben là, vous êtes refait parce que le requin a beaucoup de points de vie. Donc c'est plus, ce sera plutôt facile de faire le défi parce qu'il faut faire. 2000, il faut faire 2500 de dégâts sur de la faune sauvage pour terminer le défi. Donc c'est parti, je vais chercher de la faune sauvage. Ok, donc là, regardez, j'ai trouvé un sanglier, mais il est déjà en faune sauvage, donc j'ai pas besoin de le transformer. Enfin, il est déjà en chrome plutôt, excusez-moi. Donc j'ai pas besoin de le transformer en chrome avec mon aspergeur de chrome. Et là, j'ai réussi à faire 44 de dégâts, voire plus, ouais, 120 de dégâts sur l'animal. Donc là, je vais en chercher un autre. Ok, donc là j'ai trouvé un requin. Alors je sais pas s'il est chromé, s'il est déjà chromé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui infliger des dégâts pour voir si ça fonctionne contre les requins. Ceci, ça fonctionne contre les requins, ben, c'est super cheaté. On va voir, hein. Ça n'a pas trop l'air de fonctionner. Je vais essayer de le rechromer parce que peut-être qu'il n'est pas chromé. Ah si, regardez, ça fonctionne contre les requins. Donc c'est parfait en fait. Ce que vous faites, c'est que vous allez à Tilted Tower, donc à Loot Lake, là où je suis. Vous prenez un aspergeur de chrome et vous transformez le requin en chrome s'il ne l'est pas déjà. Donc moi il l'était déjà, donc parfait. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement relancer une partie. Je vais aller dans un emplacement où il y a du chrome. Je vais retourner à Loot Lake et je vais retuer le requin pour terminer le défi. Et dès que vous aurez infligé 2500 de dégâts contre des animaux sauvages, chromés, bien évidemment chromés, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!